Bonjour, euh, pour les personnes qui se connectent, hein, sachez qu'on attend encore une petite minute, peut-être deux petites minutes pour les retardataires. Et nous allons, comme convenu, euh, commencer le webinaire euh, d'ici à peu près une minute, une minute trente à deux minutes, grand maximum. Merci beaucoup pour votre patience. Très bien. Euh, bonjour à tous. Mon nom est Vincent Pajot. Je suis Managing Director chez EDB pour l'Europe du Sud. J'ai le plaisir effectivement de participer à ce webinaire et gérer l'introduction. Donc, comme vous le savez, comme il est affiché effectivement à l'écran, la thématique de ce webinaire est comment migrer vos bases de données Oracle vers le cloud. Donc, pour ce webinaire, nous allons avoir comme intervenant principal Sergio Romera, qui est chez EDB Senior Sales Engineer et qui va animer ce webinaire à la fois pour une partie théorique qui va concerner donc des slides et ensuite une partie pratique qui va concerner une démonstration. Donc pour votre information, ce webinaire est enregistré. Nous pourrons vous envoyer les, comment dire, le lien permettant de réaccéder au contenu de ce webinaire. Il suffira simplement effectivement de nous en faire la demande. Euh, par ailleurs, sachez qu'effectivement, euh, il va y avoir à la fin de ce webinar, euh, on va dire un petit, euh, pas un petit quiz, mais en tout cas une petite incentive qui va permettre en fin de compte à la meilleure question posée, euh, donc à la personne qui aura posé la meilleure question de recevoir une gift card, donc une, une carte, carte cadeau de 25, euh, 25 euros à dépenser, notamment euh, sur un site très connu de vente en ligne. Euh, dernier point, donc les lignes, pour des raisons pratiques, les lignes sont aujourd'hui en mode, on va dire, mute. Donc, les lignes les sont, sont désactivées. Si vous avez des questions, comme tout webinaire traditionnel, n'hésitez pas à les poser dans le panel et on fera en sorte, à la fin de ce webinaire, de les adresser toutes ou en tout cas adresser les plus importantes en fonction de la quantité de, de questions que nous aurons reçues. Par la suite, n'hésitez pas non plus dans le panel à nous indiquer si vous avez une demande particulière ou une, une, comment dire, une mise en relation nécessaire avec EDB. Faites-le nous savoir dans le, le panel et nous ferons en sorte de pouvoir prendre contact avec vous dans les meilleurs délais. Voilà, je vous remercie. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais passer la main à Sergio Romera qui euh, va rentrer dans le vif du sujet immédiatement. Je vous dis à plus tard. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci de, de participer à cette webinaire. comme Vincent l'a dit, je suis Sergio Romera, Senior Sales Engineer, je suis un passionné des bases de données, donc c'est pour cela que je travaille dans cette grande société, ODB, Enterprise DB, donc on va parler aujourd'hui de comment migrer vos bases de données Oracle vers les clouds. Et bien sûr il y a il, il va voir beaucoup de possibilités il va voir quelques quelques méthodes ou quelques méthodologies appliquées dans ce type de, de, de migration et des mouvements des données et des codes d'oracle vers vers une base de données quelconque nous on va proposer une migration vers les bases de données Postgres et bien entendu et pour pouvoir bouger les données et les codes d'oracle vers une base de données à l'extérieur d'oracle il faut d'abord identifier qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous voulez migrer comment vous voulez et comment vous allez vouloir bouger les données d'accord donc euh, et que, que, quelles sont les choses que vous devez considérer quand on, et, on migre d'une base de données oracle vers une autre base de données alors, aujourd'hui, il y a plusieurs euh, solutions, ou plusieurs types de cloud et qui existent euh, pour pouvoir euh, bouger les données d'Oracle vers, euh, vers les clouds. D'accord Donc, euh, bien sûr, Oracle avec OCI, Oracle. Euh, euh, Cloud Infrastructure euh, propose des solutions euh, pour migrer vers les clouds. AWS aussi, euh, il y a différents types d'options qui sont proposées par AWS pour euh, migrer vers les clouds, notamment des bases de données, des bases de données Oracle, tout simplement si vous voulez migrer prime vers les clouds, Et AWS vous propose des, différents types de, de, de solutions pour euh, migrer dans les bases de données qui sont probablement managé par, par AWS, ce qu'on appelle les bases de données RDS, Relational Database Services, euh, qui, qui, qui sont déjà customisées, qui sont déjà, c'est des images, qui sont déjà tout prêtes euh, à, à être utilisées. Et AWS facilite ce type de migration avec différents outils euh, pour ce type de migration. Bien entendu, Microsoft aussi euh, propose des solutions de connexion euh, vers les clouds Oracle, donc, euh, notamment avec l'interconnect euh, entre Microsoft et Oracle. Oracle, il, y a, il, il, il y a des réseaux internes pour pouvoir se connecter aux données Oracle depuis le, le, le cloud Microsoft. Et ce type de solutions qui existent déjà aujourd'hui, vous pouvez les utiliser. Mais, alors, nous, on a une autre approche, c'est-à-dire que chez, chez ODB, on va vous proposer une autre, une autre alternative pour pouvoir bouger les bases de données Oracle vers des bases de données Postgres, évidemment. Et, mais et il n'y a pas que les bases de données Postgres, il, il existe d'autres types de solutions sur les marchés, on va les, on va les voir, et qui proposent aussi et, ce type de migration avec plus ou moins d'efforts. D'accord Donc, euh, on, va, on va analyser tout ça et dans, les, dans, les, dans, les, dans les prochaines slides. Mais avant de continuer, et on va vous poser... Une question. Enfin, au, au total, il y aura deux questions dans les webinaires. La, la première question sera et quel fournisseur de cloud utilisez-vous actuellement Donc, euh, vous pouvez répondre dans 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 les messages qui est affiché. On va attendre quelques secondes pour avoir le temps de, de, de répondre. Donc, euh, voilà, on attend. Voilà. Je pense que vous savez déjà vous avez déjà répondu, Alice. Alors, euh, on, on va vous communiquer les, les, les réponses euh, plus tard par rapport à par rapport à, à cette questionnaire, d'accord Pourquoi on est intéressé de connaître ça Parce que on a, on a besoin de savoir quel type de d'éclat vous utilisez et, 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 pour, et, et comment on peut vous aider par rapport à ce type de migration, d'accord Donc on, on va continuer avec les slides. Euh, donc alors il y a, il, finalement, il y a beaucoup de bases de données sur les marchés, mais il n'y a pas autant de solutions pour migrer d'Oracle vers, euh, vers un autre type de base de données. D'accord Quelles sont les, les, les solutions qu'on va voir Alors, dans euh, Stack Overflow, il y a des... Ils, ils ont fait des statistiques pour savoir quelles sont les bases de données qui sont les plus, euh, les plus utilisées, les plus répandues, les plus aimées par, euh, par, euh, par les utilisateurs et par les sociétés, par les entreprises. Il se trouve que euh, la base de données relationnelle la plus, la, plus, la plus aimée par les développeurs et par les sociétés, c'est Postgres SQL. Donc, euh, ça tombe bien parce que nous, on est éditeur des bases de données Postgres. Je ne sais pas si vous le savez, mais et, et, et ODB... Et à ah, des personnes qui travaillent pour les versions de Postgres, qui codent les nouvelles versions de Postgres, qui supportent les, 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 les bases de données Postgres. On a à peu près 300 technologistes, euh, ou 300 personnes qui développent pour, le, pour les bases de données Postgres. Il y a à peu près une trentaine ou quarantaine de, de, de personnes qui commettent dans les codes aujourd'hui et des bases de données Postgres. Donc euh, on supporte aussi les bases de données Postgres, SQL. Et puis, et, euh, la popularité de ce type de base de données, elle est en pleine croissance. Je crois que dans les dernières cinq années, c'est la base de données qui, a, qui, a, qui, est, qui est la plus populaire, la base de données relationnelle qui est la plus, euh, la plus aimée, la plus populaire. Donc, bien entendu, euh, ces rythmes, et ils continuent, ils continuent. On, on a d'autres bases de données et qui sont très bien placées aussi, euh, des bases de données relationnelles ainsi que des bases de données non relationnelles. Par exemple, on peut voir à Redis, Mongo, et la Search, Firebase, et DynamoDB et MariaDB aussi, mais et la base de données qui, qui, qui est la plus, la plus utilisée, la plus répandue, c'est Postgres. Donc, alors, euh, quels sont les, les, les fournisseurs de bases de données Postgres aujourd'hui qui existent dans le cloud Donc, il y en a beaucoup, mais les plus importants, c'est AWS évidemment, Microsoft. Aussi, Ivan, Crunchy Data et Google Cloud. Donc, alors, il y a une variété de services qui sont disponibles par rapport aux bases de données Postgres, d'accord nous, on a créé Big Animal. C'est notre cloud qui est aujourd'hui... Euh, aujourd euh, enfin, non, le, les bases de données et Postgres et Big Animal sont stockés dans les clouds Microsoft. Mais très bientôt, on va pouvoir stocker les bases de données dans AWS et dans Google Cloud. Et on est en train de créer un service Postgres autour des bases de données, des, 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 des données qu'on va héberger dans, dans les différents clouds. Alors, ce qu'on va proposer, c'est bien sûr deux supports. Un support de très haute qualité et, et d'autres fonctionnalités qu'on va voir qu'on va voir plus tard comme la fonctionnalité avec la compatibilité avec la compatibilité Oracle. D'accord Donc euh, et, et avec l'abondance des bases de données aujourd'hui dans le cloud, PostgreSQL sera en gérer ce qu'on appelle les bases de données managées, d'accord et, et pourquoi pas migrer directement dans, dans une base de données Postgres Donc au lieu de migrer vers une base de données Odv Postgres. Donc aujourd'hui la question se pose. Beaucoup de sociétés s'interrogent sur la question de migrer les bases de données Oracle vers la, les, les bases de données Postgres. Mais il y a il, il y a pas mal de travail à faire quand on fait ça. Pourquoi Parce que il y a une incompatibilité entre les bases de données Oracle, les bases de données et Postgres. Euh, il, y a, il, il y a énormément de travail à faire quand on migre les bases de données Oracle vers Postgres au niveau de, 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 de tous les objets, au niveau des données, la compatibilité des uns avec les autres. On va les voir plus tard dans les, les prochaines slides. Et on, on va discuter de, de cette partie-là qui est vraiment important pour pouvoir euh, réduire la charge des travail des migrations entre Oracle et Postgres. Et, et tout simplement pour euh, faire euh, que ces travaux soient les plus euh, les plus comment dire les plus faciles à faire quand on migre en migration euh, quand on migre en base de données Oracle vers vers PostgreSQL. En fait, quels sont les les objets et les travaux qu'il va falloir faire euh, quand on fait ce type de travail Donc tout d'abord les schémas. Il y a plein d'objets et, et, et du code à migrer. Il y a un mapping à faire entre les objets qui se trouvent dans les bases de données Oracle, les de données et les bases de données Postgres. Il va falloir gérer les codes aussi, d'accord Les codes, il est pas par défaut avec les bases de données Postgres, il n'est pas, il est pas compatible. C'est-à-dire qu'il va falloir refaire toutes les codes euh, PLSQL dans les formats PLPGSQL pour pouvoir euh, migrer tous ces codes-là qui existent dans les bases de données Postgres. Les données, bien entendu, et bien évidemment, euh, les données, c'est une partie très importante des de, de bases de données. Donc, quand on, quand on a les bases de données Oracle, la principale chose à faire, ça sera de migrer les, les, les schémas et aussi les données. D'accord Les données, les données et il va falloir les migrer ou bien euh, par par batch, ou bien en temps réel. Nous on va proposer des outils et on va les voir plus tard. On, on propose deux outils, pour, une pour faire une estimation des quel est les coûts des migration Un autre euh, outil pour euh, migrer les objets, tous les objets des de bases de données, les tables, les qui les foreign keys, les index, euh, et les données aussi, les codes, les processus stockés, et les packages d'Oracle qui ne sont pas par défaut compatibles avec Postgres, mais on a, on a des outils pour euh, pouvoir migrer et une base de données qui sera compatible avec Oracle. Aussi un autre point important, c'est l'infrastructure. L'infrastructure, euh, il va falloir euh, déployer une infrastructure pour pouvoir héberger ces bases de données Oracle qui existent. Donc, euh, il y a les hostings euh, des environnements à faire, mais aussi il, il va falloir euh, définir quel type de, de machines il va falloir mettre en place pour pouvoir absorber cette, euh, cette charge que a aujourd'hui dans les bases de données Oracle. Donc euh, euh, il, y, il, y a, il y a des clients qui utilisent des machines très puissantes comme les machines de d'Oracle. Il y a des, des clients qui utilisent d'Oracle. Il y a de, des gens qui utilisent des instances classiques d'Oracle avec plus ou moins des CPU, plus ou moins des, des, des RAM. Tout ça, il va falloir l'analyser. Il va falloir créer à côté une infrastructure pour qu'on puisse migrer les bases de données Oracle vers Postgres. Et puis, euh, une autre partie très importante, bien évidemment, c'est l'application. L'application, une fois qu'on a migré toutes les tous les objets de la base de données et les data, il faut euh, brancher l'application qui va tourner dans les bases de données Oracle vers les bases de données Postgres. Comment on va faire ça? Nous, on va proposer un Certain nombre d'outils de, 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 et surtout de les drivers hein, nécessaires pour pouvoir vous connecter aux bases de données Postgres avec la compatibilité des objets qui ont été créés dans la nouvelle base de données Postgres. Bien, bien sûr, les codes, il sera compatible ainsi que le, le, le langage, de, de, le langage qui, qui a été utilisé dans l'application dans, dans pour que les, les données des bases de données Oracle puissent être extraites. Ce codes là ils Parfois, il sera aussi compatible avec l'application. Parfois, il se trouve qu'il faut faire quelques adaptations côté applicatif pour pouvoir se connecter aux bases de données Postgres et pour pouvoir extraire les données et pouvoir gérer les données qui se trouvent dans les bases de données Postgres. Mais cette partie-là, ça sera négligeable par rapport à tout l'effort qu'il faut faire quand on migre une base de données Oracle vers une base de données Postgres. J'ai une deuxième question. Quelle base de données utilisez-vous le plus, les plus actuellement Donc, euh, normalement, ça devra être une base de données Oracle, parce que si vous participez à ce webinaire, c'est parce que vous savez l'intérêt d'émigrer d'Oracle vers un autre type de base de données comme Postgres. Donc, on va attendre quelques instants pour que vous puissiez répondre à la, à la question. Donc... Euh... Parfait. Donc, on a les informations qu'on va vous communiquer à la fin de, 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 de ce webinar. Euh, comment, vous, comment on peut vous aider par rapport à ce type d'émigration d'Oracle vers Postgres Alors, il est, il est finalement, je ne vais pas dire que c'est simple, mais nous, on va pouvoir vous faciliter la vie de ce type d'immigration. Pourquoi Parce que on a une base de données qui s'appelle IPAS, e ODV Postgres Advanced Server, qui va pouvoir avoir la compatibilité avec Oracle. Donc, pas besoin de vous compliquer la vie à migrer les codes PLSQL vers les codes PLPGSQL. Euh, nous, on a cette compatibilité-là qui va permettre à toutes les sociétés, à toutes les BBA à tous les, et à toutes les personnes qui vont vouloir migrer les bases de données vers Postgres d'avoir cette compatibilité et d'iminuer l'effort considérablement et drastiquement et avec ce type de migration. Donc, on estime à peu près... On donne des chiffres euh, entre 70 et 80 d'efforts de, qui est réduit euh, par rapport à, à un projet. Imaginez que vous voulez migrer une dizaine euh, d'instances d'Oracle vers Postgres. L'effort des migrations est réduit à peu près de. 70-80% par rapport à toutes les migrations qu'on a déjà faites et, et dans différents clients. On a, on a déjà fait plus de, plus de 300 clients et on parle des milliers de, de, de bases de données qu'on a déjà migrées sur DB. Donc on, on sait très bien et comment ça fonctionne une migration d'Oracle vers Postgres. On sait très bien les efforts qu'il faut faire. Les différentes étapes qu'on a identifiées par rapport au, à la migration des schémas, par rapport à la migration des données, à la, à la migration du code aussi, et on le verra, on le verra dans la démo que j'ai préparée, une démo assez simple mais qui est très parlante par rapport à ce type de migration. Les API, et les outils aussi, ont fourni des outils pour pouvoir migrer d'Oracle vers Postgres. Deux outils et principalement, un outil qui s'appelle Migration Portal et un autre outil qui s'appelle Migration Toolkit. Migration Portal, ça va permettre de, 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 de faire une estimation de l'effort d'émigration. Et Migration Toolkit, c'est l'outil en ligne de commande qui va vous permettre de démigrer tous les schémas et toutes les données et tous les codes euh, vers la base de données Postgres. Donc, on a défini et on a déjà une méthodologie qui est très bien très bien mis en place par les équipes des de professionnels services et qui, vous, qui peuvent vous accompagner par rapport à, à ce type de migration. Et on va pouvoir mettre en place cette méthodologie chez vous pour pouvoir vous accompagner dans la migration des, des bases de données. Donc alors, les, 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 les principaux atouts de notre base de données sont la compatibilité, les outils, l'expertise qu'on va vous fournir quand on va migrer vers les bases de données iPass, e on voit iPass e et ODV Postgres Advanced Server. Et la compatibilité Oracle, parce que toutes les data types, tous les codes PLSQL, le, 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 tous les packages, les triggers, euh, des vues dictionnaires, elles seront là, elles seront présentes euh, si vous faites un select étoile from DBA tables vous allez pouvoir cette 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 vue qui est qui est côté Oracle mais vous allez pouvoir la, la voir aussi côté côté Postgres côté il passe pourquoi parce qu'on a codé la compatibilité avec les bases de données Oracle au niveau des, migrations, des, des outils de migration on a déjà parlé. Je vais vous montrer quelques, quelques slides de, 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 de l'outil Migration Portal, Migration Toolkit. Et puis l'expertise, on a plus de 15 ans d'expertise au niveau des migrations et, des, et au niveau des migrations d'Oracle vers Postgres. Il faut savoir que, que ODB créé, c'est une société qui a été créée en 2004. Donc euh, un des principaux cas d'usage, c'était la migration d'Oracle vers Postgres. Évidemment, pendant plus de 15 ans on a amélioré ces outils, on a enrichi la compatibilité entre Oracle et Postgres et puis euh, on, on est arrivé à la version actuelle d'e-pass de, de e qui a un très haut niveau de compatibilité avec, avec, les, bases de données, avec les bases de données Oracle. Donc euh, Migration Portal, c'est notre outil. Et on pourra faire, je pourrais vous montrer comment ça fonctionne plus tard. C'est l'outil qui vous montre les taux de compatibilité de vos bases de données Oracle avec Postgres. Ici, dans le, dans, le, dans le schéma HR qui est connu pour tous les élèves Oracle, et on voit qu'il est 100% compatible. Donc, euh, tous les objets qui sont à l'intérieur du schéma, les séquences, les tables, les contraintes, les procédures, les index, les vues, les triggers, ils sont compatibles parce qu'on les adapte, ou bien ils sont compatibles parce que la syntaxe est exactement la même entre Oracle et Postgres. Ça dépend, ça, ça va dépendre du type d'objet. Et puis, Migration Toolkit, c'est l'outil que je vais utiliser dans la démo qui vous montre comment comment il faut migrer d'une de, 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 base de données Oracle vers une base de données, vers une base de données Postgres. Alors, euh, et, et, tout, tout ce que je viens de vous montrer, est-ce que c'est disponible dans les clouds ODV La réponse est oui. Notre offre Big Animal, c'est les clouds ODV qui est à l'intérieur de vos comptes pour l'instant assure, parce que l'idée c'est d'avoir les bases de données créées dans vos comptes et pas dans nos comptes à nous. d'accord? Donc l'idée c'est de pouvoir dire, ok, je vais pouvoir créer des bases de données ODB à l'intérieur de vos souscriptions. D'accord Donc par exemple, avec AWS et avec Google Cloud, ça va venir dans les mois qui, qui viennent. Et avec euh, Assure, vous savez déjà, déjà la possibilité de créer des bases de données Big Animal dans votre, dans votre compte. D'accord Avec euh, toute l'expertise euh, Postgres que nous, on peut vous, 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 vous donner, avec la compatibilité Oracle et aussi avec une disponibilité maximale parce qu'on peut créer des bases de données de très haute disponibilité ou des bases de données single node, c'est-à-dire une base de données avec juste un node pour les environnements de dev, par exemple, ou des bases de données avec trois nodes, d'accord, une base de données primaire et deux bases de données stand-by qui vont garantir la haute disponibilité. D'accord. Donc, voilà la, 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 la présentation. Euh, on va passer à la démon. Euh, dans la démo, qu qu'est-ce qu que je vais vous montrer En fait, il y aura une base de données Oracle qui sera disponible, une base de données dans Big Animal, dans le cloud ODB, qui sera aussi disponible, que j'ai déjà préparée. Mais je vais vous montrer comment on peut créer une base de données, une base de données BigAnimal très rapidement. On va vérifier que la connexion fonctionne. Et puis on va faire une migration d'oracle vers cette base de données Big Animal qui sera déjà présente dans les cloud Azure Big Animal. D'accord? Donc je vais switcher à mon environnement. Donc euh, alors je, je me suis connecté à, à Big Animal. pour euh, se connecter, vous pouvez aller dans les sites euh, Enterprise Db et dans la partie Big Animal, d'accord. Je peux aller dans Enterprise Db, vous cliquez ici Cloud Postgres vous allez dans Big Animal et dans Big Animal vous trouvez vous pouvez trouver tous les éléments nécessaires pour vous donner plus d'informations sur euh, comment ça fonctionne notre notre cloud et voilà donc euh, je me suis connecté à mon cloud à mon compte euh, qui est dame pour l'instant dans mon dans mon dans mon cloud microsoft assure encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, à la fin du euh, mois juin, au début de juin, on aura la possibilité de se connecter au cloud Azure. Et avant la fin de, de l'année, on va avoir la possibilité de se connecter dans les clouds Google Cloud. D'accord Donc. Euh, je vais, je vais créer un cluster, un nouveau cluster. Donc, euh, ça fait partie de la, de la démon. Alors, pour créer un nouveau cluster, donc il faut juste euh, choisir les noms du cluster. Par exemple, webinar oh, Sergio, webinar, webinar 3. D'accord Je vais rentrer les, les mots de passe. D'accord Ok, j'ai rentré mon mot de passe. Donc, je vais avoir la possibilité de sélectionner les types de clusters au ou Postgres, au ou, ou Advanced Server pour avoir la compatibilité Oracle. D'accord Je vais sélectionner Ipass, e Enterprise DB, Postgres Advanced Server. Donc, je sélectionne la région. Donc, on va sélectionner Europe, France centrale. Et puis, je vais avoir la possibilité de euh, définir les types d'instances. D'accord, euh, General Propose, Memory Optimize, Compute Optimize, General Propose, par exemple. Comme vous pouvez voir ici, ce type là c'est les types de chaque cloud que j'ai sélectionné. Comme on voit Microsoft maintenant, mais bientôt AWS et Google Cloud. Donc, je sélectionne par exemple ces types d'instance avec la taille de la base de données. Je vais sélectionner celui-là. Les types de volumes, par exemple, ce type de volumes. Les, les, les types de, 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 de connectivités, si c'est dans les clouds, si la base de données va rester dans les clouds avec les réseaux privés ou dans les réseaux publics, je vais pouvoir définir qui va pouvoir, dans les listes d'IP, qui va pouvoir accéder à ma base de données. D'accord J'ai je, 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 je sélection publique. J'aurai la possibilité de sélectionner. Les paramètres de la base de données. D'accord Donc, ici, j'ai je, 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 toute la liste des paramètres d'une base de données Postgres. J'aurai la main sur les paramètres, chose qui est pas dans certains clouds, on n'a pas la main sur ce type de paramètres. Et puis, je vais avoir la, 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 la possibilité de choisir quel type de disponibilité j'aurai pour la base de données. Haute disponibilité, tout simplement, juste un node. Juste pour votre information, dans la documentation, vous pouvez trouver ici dans Big Animal les types d'architecture que vous pouvez que vous voulez que vous voulez avoir. Si, c si je sélectionne une architecture haute disponibilité, j'aurai trois nœuds, un standby primaire, euh, pardon, un, un PostgreSQL primaire et deux bases de données standby. D'accord. Si je sélectionne, euh, si je sélectionne pas haute disponibilité, j'aurai juste une base de données primaire dans mon dans mon cloud. Ok, et puis je vais créer le cluster. Donc le cluster, il est en cours de création. Donc euh, ici, je vais sélectionner Sergio, il est en cours de création. Pour mon euh, j'ai pour mon test, pour ma, pour ma démo, je prends de celui-là, d'accord le Sergio Webinar 2. Et c'est là où je vais passer à ma démonstration de comment migrer une base de données Oracle vers une base de données IPAS. Donc alors, j'ai créé... Une base de données, c'est une version euh, 12, d'accord Qui contient euh, un, un schéma HR, qui contient ici quelques quelques tables, d'accord Donc, je sélectionne la liste des tables. Ici, j'ai ma, ma table « Countries »,« Departments »,« Employees »,« Jobs ». Par exemple, je vais faire un « Select » dans ma table « Jobs ». Ici, ok, qui contient 20 lignes, d'accord donc, euh, je, vais, euh, je vais faire euh, juste euh, une copie de cette, euh, de cette base de données qui se trouve ici avec un certain nombre de, de, de tables vers ma base de données iPass. E juste pour euh, vous montrer, pour me connecter à ma base de données iPass, e je sélectionne euh, juste cette ligne-là. D'accord Je copie et je me connecte à la base de données. D'accord J'introduis mon mot de passe. Okay, je me connecte à la base de données. Comme j'ai fait quelques tests avant de de, de cette démon, je vais juste vérifier que mes données sont là, par exemple HR jobs. la table elle est, elle est toujours là. Donc je vais supprimer la, le schéma, d'accord Drop schéma HR cascade juste pour vous montrer que les données on était supprimé d'accord. Si je sélectionne la même table, la table a disparu d'accord. Donc, euh, on va faire la migration. La migration, elle s'est fait et comment alors? Donc, il y a un fichier des configurations à, à remplir. Ce fichier de configuration, il est dans les répertoires euh, Migration Toolkit. L'outil Migration Toolkit, je l'ai déjà installé. Hein. C'est juste un binaire euh, de l'outil Migration Toolkit qui va être installé sur ma machine et qui va euh, avoir la possibilité d'exécuter la migration d'une base, base de données à l'autre. Donc, cette migration, elle va pouvoir être faite euh, très simplement. D'accord Donc, je vais vous montrer... Big Animal, les, les fichiers de config d'accord C'est migration Big Animal, elle va se faire euh, d'une base de données source vers une base de données cible, d'accord Donc ma base de données source, c'est la base de données Oracle. Donc je vérifie l'adresse IP qui se trouve ici. Mon adresse IP c'est la 202 que j'ai configuré ici. Et puis et ma base de données target avec une base de données, avec un serveur, un big animal, un port. D'accord. Ces informations-là, je peux les récupérer d'ici, des connect, d'accord. Donc euh, tout ça, je les remplis. Donc, bien entendu, les mots de passe, je les, je les, je les configure déjà dans, dans un autre fichier. Donc, je vais exécuter ma migration pour migrer tous les objets de ma base de données Oracle vers Postgres. Donc, je vais juste récupérer mon script qui va migrer mes données d'un côté à l'autre. Et on va analyser cet script-là. Donc, j'exécute mon outil Migration Toolkit, je vais supprimer le schéma, d'accord, je l'ai déjà supprimé pour vous montrer que euh, je n'ai pas de données, mais l'outil permet aussi de les supprimer, je vais faire une copie rapide, d'accord, avec des fetch des lignes de 20 000, et puis je vais récupérer le schéma HR de ma base de données d'origine, d'accord, donc cette copie-là, elle va faire quoi Elle va copier les les, tous les objets, les objets que j'ai ici dans ma base de données principale, les tables, les index, les foreign keys, les primary keys, les procédures stockées, et tout sera copié d'un côté à l'autre. Avant de les copier, je vous montrer ici, je préparé un, une procédure stockée qui s'appelle euh, euh, SP Postgres, d'accord, qui contient, cette, cette simple euh, ces, ces simples données d'accord, juste je vous montre quel est le code de cette procédure stockée le code de cette procédure stockée il est très simple, hein c'est juste j'utilise les paquets dbms output putline qui, qui est un paquet oracle, d'accord, qui normalement n'existe pas dans les bases de données Postgres par contre, une fois que j'aurai migré schéma je vais exécuter les mêmes euh, les mêmes euh, les mêmes processus stockés côté postgres et vous allez voir que je vais obtenir les mêmes résultats pourquoi parce que ces packages là ainsi que d'autres packages qui se trouvent il ya une trentaine de packages qui ont été codés euh, côté postgres côté ipass e ont été codés et la compatibilité est assurée par rapport à ça donc je vais migrer ma base de données donc, ici, il y a plein de choses qui se passent. Donc, on va analyser cet script-là petit à petit. Donc, d'abord, euh, quand j'exécute ma démo, euh, la première chose qu'on va faire, c'est se connecter à la base de données source. La base de données source, c'est une base de données Oracle, avec euh, tous les paramètres que j'ai configurés dans les fichiers Properties. La deuxième base de données sera la base de données Target qui est ma base de données Big Animal, qui se trouve dans le cloud Assure. Donc tous les objets qui sont à l'intérieur de la base de données Oracle seront migrés, les séquences, les tables, toutes les données, par exemple ici, j'ai une table test qui contient 2 millions de lignes, qui a été migrée en 6 secondes seulement, tous les index, les, contra les contraintes les constraints, les, les procédures stockées et vous voyez ici que la procédure stockée SP Postgres a été aussi migré d'un côté à l'autre donc on va les voir donc le schéma hr imported successfully. ok ça me mis 19 secondes à migrer une petite base de données il faut il faut il faut savoir que bon pour pour, pour la petite base de données que j'ai que j'ai migré ça prend 20 secondes tout est OK pour une base de données de production qui contient quelques gigas ou quelques téra de données. Il va falloir analyser les stratégies de migration. C'est-à-dire que quand on a la base de données qui fait quelques téra peut-être on va pouvoir migrer en amont une partie des données. Peut-être on aura un week-end ou peut-être pas pour migrer tous ces bases de données, enfin tous ces données d'un côté à l'autre. Chose qui est, qui est très simple à faire, c'est d'abord migrer les schémas. Et puis, une fois qu'on aura migré les schémas, et le Migration Toolkit, l'outil permet et il y a la possibilité de migrer objet par objet. On va, on va, je vais vous montrer ça. Donc, ici, il y a un rapport, un Migration Summary, à la fin de l'utilisation de l'outil qui va, qui va nous dire exactement combien d'objets ont été migrés et quels sont les objets qui ont été bien migrés et quels sont les objets qui, qui n'ont pas pu être migrés? la raison peut être parce qu'il n'y a pas, enfin, la, 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 la raison principale pour laquelle un objet n'a pas été migré, c'est par rapport à l'incompatibilité. encore une fois, tout ce qu'on a fait côté odb, et c'est à peu près un taux de compatibilité par rapport à ce, à ce qu'on a vu déjà avec d'autres clients de 90-95%. Ça va dépendre du type de base de données et des types d'objets qui ont été utilisés à l'intérieur des bases de données Oracle, mais c'est ces ratios-là. Il y aura un 5-10% d'objets qui ne enfin, seront pas migrés parce qu'il y a une incompatibilité. Bien entendu, avec Migration Portal que je vais vous montrer. Vous allez voir que ODV propose des solutions de contournement. Et parfois, la solution de contournement existe. Si la solution de contournement n'existe pas, il va falloir recoder autrement, recoder on PLPGSQL PGSQL, et la procédure qui, qui n'a pas pu être migrée ou les codes qui n'ont pas pu être migrés. D'accord Donc, je vais me connecter à la base de données. Ici. Je me connecte à la base de données Postgres. OK, et je vais voir si les objets ont été migrés. Je récupère la base de données Jobs. Et les données ont été migrées. D'accord Donc, vous pouvez voir que et, toutes les 20 lignes ont été migrées. Donc, je vais voir si la procédure est stockée SP Postgres a été aussi euh, migrée. Donc, je vais l'exécuter. Donc, j'exécute. Euh, EXEC HR SP postgres Elle est exécutée. Juste tout d'abord, je vais activer, je vais activer la sortie euh, dans la console, d'accord. Donc j'exécute la procédure et je vois que la procédure, elle a été exécutée correctement. Et les comportements, c'est exactement les mêmes que j'ai obtenu côté côté Oracle. Donc, euh, si je récupère les lignes du code, vous allez voir. Donc, je me mets ici dans ma base de données Postgres. Je regarde dans la table All Source, qui n'existe pas dans un Postgres par défaut, mais qui existe dans notre Postgres ODB. Donc, je vois effectivement que la procédure, elle a été créée. Et la procédure, elle est créée en format PLP. SQL. Et pas PL, PGSQL. Pourquoi Parce que la compatibilité existe. C'est pas juste en traduction, hein. c'est que on a surchargé la version de Postgres et on a rajouté la compatibilité avec, euh, avec Oracle. Donc ici, le code est, a, été, a, été, a été généré de la même manière qui a été généré côté, côté, côté Oracle. Donc euh, forcément, on, a, on, on trouve cette compatibilité qui est disponible avec les bases de données, avec les bases de données Postgres. Donc. Euh, d'autres fonctionnalités par exemple on va supprimer uh, attendez je vais me connecter encore ici un test OK là je vais trouver une table qui s'appelle test par exemple je fais un count de la table de la table test OK j'ai 2 millions de lignes d'accord donc je vais supprimer la table Je vais tronquer la table plutôt. Truncate table. Ok, la table elle a été tronquée, donc les, 2000, les 2 millions de lignes ont, ont disparu. Je vais réexécuter mon test juste pour charger ma table, ma table test. Donc alors ici. Je vais exécuter juste la copie des données de ma table test d'oracle vers ma base de données Postgres. Donc je vais dire que les schémas, je ne vais pas les supprimer parce que dans ces cas-là, je, je, je vais supprimer tous les objets. Donc je vais, juste supprimer, je vais juste copier les données de la table test. D'accord. Et puis les données n'ont pas été n'ont pas été copiées parce que la table. D'accord, donc euh, je vais supprimer la table. drop table test. Ok. J'exécute la même commande. Les deux millions de lignes sont en train de copier, d'être copiées. Donc la table a été copiée. Les données ont été copiées aussi. Donc on va vérifier. En 8 secondes, les 2 millions de lignes ont été copiées, d'accord. OK. Et je vais voir si les données ont été copiées ou pas. Effectivement, les 2 millions de lignes ont été copiées de la base de données Oracle vers la base de données IPASS. E Donc euh, voilà la, 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 la démo de dé migration d'Oracle vers Postgres. Je vais vous montrer. Comment ça fonctionne Migration Portal? Okay. Migration Portal, c'est juste un, un portail qui va vous montrer la compatibilité entre les objets. Migration Portal. Donc, ici, j'ai mon schéma mon, mon euh, test. Donc, pour créer un projet, pour voir les ratios de compatibilité, la seule chose à faire, c'est ici, charger dans un nouveau projet. Le projet test un fichier et qui contient les ddl d'accord de votre base de données oracle donc ici quand vous cliquez ici on vous explique quelle est la méthode pour importer votre fichier ddl d'accord et pour générer les fichiers ddl donc euh, si vous savez une base de données oracle 11 12 18 19 et même 20, 21 vous pouvez récupérer ces fichiers là et l'importer directement ici dans les projets, et vous allez pouvoir intégrer dans le Migration Portal ces DDL. Il n'y a pas les données, c'est juste la, la structure de votre base de données Oracle qui sera importée dans le Migration Portal. Le migration Portal va analyser les taux de compatibilité. Ici, c'est un exemple assez simple, finalement, c'est les 100% de, 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 de la structure qui est compatible. Vous cliquez ici et vous voyez quels sont les objets qui sont compatibles et qui sont déjà disponibles dans votre base de données Oracle. Et voilà, par exemple, je vais vous montrer, c'est un, un ancien modèle que je vous affiche ici. Vous voyez, les vues, les triggers, toutes les codes, il sera compatible directement avec les bases de données Oracle. Et puis, une fois que vous avez votre... votre votre DDL importé ici, vous pouvez générer ou vous pouvez migrer le schéma qui était converti directement dans un fichier. Par exemple, imaginez que cet index, il n'est pas compatible parce que euh, il manque quelque chose dans le, dans, dans le code. Vous pouvez directement modifier les codes ici dans l'immigration dans portal et régénérer la compatibilité. De votre, de votre code. C'est-à-dire que si jamais il y a une erreur, imaginons par exemple ici que je mets ça, il va vous s'afficher qu'il y a une erreur dans le code. D'accord Les taux de compatibilité, il ne sera pas à 100%. Donc je, je régénère et on voit ici que c'est les 97% parce qu'il y a un objet qui n'est pas compatible. Une fois que j'aurai réparé les problèmes de cet objet-là, donc je, je vais pouvoir régénérer recompiler le, le code dans l'immigration portal et puis régénérer, faire un refresh de, de toute la compatibilité du, du, du site importé, ici. Une fois que j'ai obtenu les 100% de compatibilité, il suffit juste de migrer ce schéma dans un DDL qui sera compatible avec la base de données e passe et puis ce DDL, vous pouvez les exécuter directement dans la base de données cible vers laquelle vous voulez migrer. D'accord Donc, vous avez différentes possibilités ici avec Migration Portal pour générer, pour générer la nouvelle base de données vers laquelle vous voulez, vous voulez migrer. Et puis, une fois que vous allez générer la base de données cible dans les clouds, on-prem, si vous avez la possibilité de démigrer vers on-prem aussi, donc il suffira juste d'émigrer les données directement de votre base de données Oracle vers la base de données qui va se retrouver dans le cloud euh, objet par objet ou avec une liste d'objets de, de, vous pouvez très facilement avec les options des Migration Portal migrer directement dans le tous les objets mais juste, euh, juste les données Drop Schema à False évidemment et après vous avez des options ici il y a plein d'options qui, dispon... bon, euh, oui, qui sont disponibles ici euh, avec Migration Migration euh, Toolkit pour, euh, pour migrer au tout en partie des objets qui se trouvent dans, dans votre base de données Oracle. Donc voilà la, 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 la démo. J'espère que, que vous avez profité de cette démo pour avoir les idées un petit peu plus plus s'éclaircit dans, dans vos têtes euh, et que je vous ai donné une vision globale de comment vous pouvez migrer en base de données Oracle vers une base de données Postgres. Donc, n'hésitez pas à, à nous contacter et n'hésitez pas à aller dans notre site euh, euh, web Big Animal et si vous si vous avez besoin de plus d'informations. N'hésitez pas à nous contacter aussi. Vous savez notre mon contact ici, mais euh, via le, le, le site web, vous pouvez nous mettre vous pouvez vous mettre en contact avec nous avec Vincent ou avec ou avec moi et si vous voulez plus de renseignements. Je ne sais pas, Vincent, s'il y a Alors, des questions. Oui, oui, il y en a, a oui. quelques-unes. Il, oui. il, il y en a un certain nombre. Euh, oui. Je vais essayer de, comment dire, de poser celles qui me semblent le plus pertinentes, en commençant peut-être par celles qui sont le plus techniques, pour terminer par celles qui sont le plus, on va dire, orientées commercial ou business. Oui. Euh, sachant que l'audience est principalement, euh, comment dire, majoritairement, euh, majoritairement technique. Alors, pardon. J'essaie, excusez-moi, de rebondir sur... Voilà. Donc l'une des premières questions, alors on en a eu quand même la réponse dans tes, tes commentaires, Sergio, mais je la repose quand même pour. pour non, je la reposerai un peu plus tard. Donc la première, effectivement, c'est les données sont-elles chiffrées dans les systèmes de fichiers Oui. Alors, et dans Big Animal, les données vont être chiffrées. Dans euh, Big Animal C'est-à-dire qu'on va utiliser euh, des technologies de chiffrement de Microsoft pour migrer toutes les données euh, qui vont se retrouver dans les file système de nos bases de données Big Animal Oui, la réponse est oui. D'accord, très bien, merci. Alors, une autre question euh, sans aucun rapport avec la première, euh, qui a son importance et qui n'est pas des moindres. La question est est-ce que EDB accompagne les entreprises pour effectuer les migrations euh, et après, sous-entendu, est-ce que autrement le client doit se débrouiller seul euh, ou trouver un autre prestataire Donc la question c'est EDB, à combien de les entreprises pour effectuer les migrations voilà. Alors, euh, ODB propose à nos clients euh, des services des professional services c'est-à-dire que euh, si vous avez un projet d'émigration, Bien entendu, vous pouvez, vous pouvez nous contacter. On va vous accompagner dans une phase d'avant-vente. On va essayer de définir quelles sont les bases de données que vous pouvez migrer ou pas, parce qu'il n'y a pas toutes les bases de données qui peuvent être migrées dans AnyPass, dans, 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 dans e c'est-à-dire les bases de données sur lesquelles vous n'avez pas la main dans le code, sur les codes, c'est-à-dire des logiciels sur lesquels l'éditeur a développé les bases de données pour Oracle, là dans ces cas-là, nous on recommande de ne pas migrer la base de données Oracle vers euh, du Postgres. Pourquoi Parce que si jamais il est en incompatibilité, vous pouvez avoir des problèmes, euh, tout simplement des compatibilités des fonctionnements de vos applications. Par contre, pour toutes les autres bases de données sur lesquelles vous savez la main euh, sur les codes, la réponse est oui. Nous, on peut vous accompagner, on peut vous proposer des services pour euh, migrer les bases de données d'Oracle vers Postgres. Juste euh, quelques chiffres. Euh, une base de données d'un terrain de données avec euh, un certain nombre de procédures stockées et, et, et quand on regarde ces procédures stockées, ces packages, triggers et fonctions, les taux de compatibilité, il peut être à peu près à 95%, entre 90 et 95% ou même plus, euh, certains clients, les taux de compatibilité, les ratios de compatibilité, il est très, pré, très proche à 100% mais dans ces cas-là les nombres de jours d'accompagnement, ça va être entre 5, 10 ou 15 cents maximum pour migrer une base de données. Oracle vers Postgres, si vous regardez combien vous coûte ce type de projet avec des outils qui existent sur les marchés, vous allez voir que, que, que les nombres de jours va être considérable, considérablement plus grand que les 5-10 jours que nous, on va vous proposer. Donc, à vous de voir, à vous d'étudier. Combien ça va vous coûter, ces types de projets, pour migrer d'Oracle vers, vers Postgres Très bien. Alors, ce que je vais essayer, peut-être, Sergio, c'est encore de poser deux, trois questions, si on a encore le temps. Je pense qu'on a à peu près pas mal. Je vais essayer au moins d'en poser deux. Oui. Euh, donc, la, la suivante est celle-ci. Existe-t-il un service de base de données géré en dehors du cloud Alors. Euh, nous, on, dans cette euh, présentation, on parle de Big Animal. Big Animal, c'est un service managé par ODB des bases de données Postgres, mais on a des services managés. Avec une technologie qui est basée sur un opérateur Kubernetes. Donc, on a créé un opérateur qui s'appelle CMP, Cloud Native Postgres, qui est capable de gérer les bases de données Postgres pour tout ce qui est haute disponibilité, backup et restore, pour tout ce qui est switch-over et failover automatique ces types de tâches qui normalement sont faites par un DBA de manière assez assez enfin c'est le DBA qui va qui va gérer tous ces types de tâches et donc avec l'opérateur on laisse la responsabilité à l'opérateur pour faire cette gestion, c'est à dire que vous voulez faire un backup d'une base de données. Ok, il suffit juste d'exécuter une ligne de commande de Kubernetes et c'est l'opérateur qui va gérer ce type de tâches. Les backups, il sera fait dans l'infrastructure que vous voulez, que ce soit Microsoft Assure, que ça soit ws une infrastructure locale, peu importe, c'est l'opérateur qui fait. Vous voulez restaurer Juste, euh, vous faites un restore euh, avec une commande, juste une seule commande de Kubernetes, et, qui va restaurer votre base de données dans sur notre cluster avec les nombres d'instances que vous voulez. Donc c'est hyper facile à gérer une fois que vous savez la plateforme Kubernetes mise en place. Donc la réponse est oui, on fait, on, on sait faire et on sait déployer des infrastructures euh, managées en dehors du cloud. Très bien, merci Sergio. Alors, peut-être une dernière ou une avant-dernière, euh, qui est la suivante. Quelles sont les performances de PostgreSQL par rapport à EDB Et la, le second volet de cette question est faut-il prévoir une capacité additionnelle en cas de migration Alors, les performances de ils, ils, ils vont dépendre directement de l'infrastructure qui va être mise en place par rapport aux bases de données. Imaginez que vous faites tourner votre base de données qui fait, je sais pas, un téra dans une petite configuration. Bien entendu, les performances de la base de données, ils vont être très liés par rapport aux ressources qui vont être allouées dans votre, dans votre infrastructure. Il faut savoir que les performances de PostgreSQL sont très très bons. Dans la version 14, on a encore amélioré les performances de la base de données et on a encore amélioré les performances des réplications des données entre les bases de données. Euh, par rapport à la technologie Streaming Replication qui est mis en place et, ou qui a été mise en place dans les bases de données Big Animal dans le cloud. C'est une technologie qui, 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 qui s'améliore de plus en plus. Notamment, nous, au DB, on utilise cette technologie de Streaming Replication et des de technologies de réplication logique pour d'autres types de bases de données qu'on a créées, des réplications bidirectionnelles. Les performances sont, euh, sont là. Vous pouvez regarder les, il y a plein de, compara de comparatives qui se trouvent dans les, dans les net euh, pour regarder et comparer les performances en, entre MySQL, entre Postgres, Oracle, SQL Server. C'est des performances qui tiennent la route pour les bases de données Enterprise. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui ne se pose plus des questions d'avoir une base de données Postgres et, comme base de données par défaut dans l'infrastructure dans et dans l'architecture. Avant, ce n'était pas le cas, et parce que peut-être on ne faisait pas trop confiance aux bases de données Postgres, aujourd'hui, et par défaut, de plus en plus de, de, de sociétés choisissent Postgres comme plateforme de déploiement des bases de données par défaut. Ça, ça me permet de faire la transition. Allez, sur la dernière question et je pense qu'après effectivement on va s'arrêter là, oui. qui est une. Moi j'aime bien. Enfin bon, je, te, je laisse y répondre. Pourquoi choisir EDB et pas un autre fournisseur de base de données ça Plutôt oui. pas mal pour en guise de conclusion. Oui. Alors, euh, alors principalement euh, nous, qu'est-ce qu'on sait faire côté EDB Donc on fois on est éditeur euh, base de données depuis euh, plus de 500 ans. On a un support qui, est, qui vise l'excellence, c'est-à-dire toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui dans notre société, une société à peu près de 800-900 personnes aujourd'hui. Donc, il y a une équipe de support qui est dédiée aux bases de données Postgres, on, on est éditeur des bases de données Postgres et on a plus de 30 experts qui postent des modifications. Euh, pas tous les jours, parce que ça ne se fait pas tous les jours, mais qui, qui, qui code les bases de données Postgres. On est les, les principaux contributeurs aux bases de données Postgres aujourd'hui, au DB. Et, et puis plus de 300 personnes qui, qui supportent les bases de données Postgres, qui, qui, qui échangent les unes avec les autres. Moi j'ai la chance de travailler chez DB aujourd'hui. C'est une société qui, qui a cette culture open source et qui, et qui donne beaucoup à la communauté et qui est capable d'échanger les uns avec les autres. On propose des nouvelles solutions et des de nouvelles... Euh fonctionnalités pour les bases de données Postgres. Donc ça, c'est la, la principale euh, raison. D'autres raisons, c'est parce qu'on a aussi la compatibilité avec, euh, avec Oracle. Donc c'est très facile de migrer les bases de données Oracle vers les bases de données Postgres. Donc, et, et la troisième raison, peut-être, c'est parce qu'on rajoute des, des fonctionnalités au niveau de la sécurité. Par exemple, je ne l'ai pas fait dans la démo, je l'avais préparé, mais à cause du temps, je ne l'ai pas pu le faire. Donc on a la compatibilité avec, euh, avec Oracle pour tout ce qui est les maskings des données c'est-à-dire que euh, vous savez un utilisateur euh, RH euh, qui veut euh, lister toutes les salaires euh, de la table employé là on fait un select dans la table et on les voit si on copie cette base de données dans l'environnement des devs et vous voulez pas que les développeurs euh, puissent voir les salaires de tous les employés et de tous les employés et donc euh, il suffit juste d'appliquer une, une fonctionnalité qui s'appelle data masking et qui va vous pouvoir vous, vous masquer les données des salaires de la colonne salary de la table employee par exemple d'accord donc le développeur quand il va faire un select étoile from employee il va voir toutes les colonnes mais la colonne salaire il va la voir par exemple avec un pattern qu'on a codé à 0 donc les salaires pour tous les employés sera, sera des zéros. Donc il y a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités au niveau de la sécurité, au niveau des DBA, au niveau des développeurs, au niveau des de, de applicatives et beaucoup de packages qui ont été déployés et, et mis en place pour les développeurs et les DBA pour faciliter la vie et pour avoir des bases de données, ce qu'on appelle aujourd'hui bases de données Enterprise, avec plein de fonctionnalités qu'on ne trouve pas principalement dans les bases de données communautaires. Donc c'est ça les trois principales raisons aujourd'hui de pourquoi choisir ODB au lieu d'une base de données communautaire classique dans, dans un autre cloud, par exemple. Allez. Dernière question de Sylvain. On parlait tout à l'heure de compatibilité, même si effectivement, ce n'est pas exactement le même sujet. La question est la suivante. Big Animal est-il compatible avec OpenShift Ce sera notre dernière question pour respecter le timing. Donc, Sergio, je te laisse y répondre. Alors, OpenShift, aujourd'hui, c'est une, une technologie Red Hat. Um, Big Animal, il n'est pas déployé d'un OpenShift. Par contre, notre opérateur, il peut être déployé d'un OpenShift, l'opérateur euh, Kubernetes. Euh, OpenShift, c'est une technologie Kubernetes, basée sur, sur la technologie Kubernetes. Donc, on, on a la possibilité de déployer l'opérateur dans Kubernetes, et toutes les choses que j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est gestion des backups et restore, euh, la gestion de la haute disponibilité avec des switchovers manuels et failover automatique, ça, c'est quelque chose de très important, on peut le gérer dans OpenShift. Les backups et les restores dans OpenShift, ça, ça, ça peut être géré aussi. Et puis, euh, la possibilité d'avoir des bases de données euh, communautaires dans OpenShift ou des bases de données eh, ODV avec la compatibilité Oracle et toute la gestion de sécurité eh, qui vient avec la gestion des logs. Euh, le, le, eh, il y a plein de, 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 de choses au niveau de la sécurité. On pourra, vous, pourrez, vous, pourriez, vous, nous, vous pourriez nous poser la question si vous le souhaitez directement dans le chat ou, ou, ou par mail directement. Euh, Vincent Pajot. Vincent.pagio.com ou Sergio.romera.com. Vous pouvez nous contacter directement si vous voulez plus de renseignements. Et sinon, dans notre site web, vous pouvez voir toutes les questions-réponses. Très bien. Merci Sergio. Alors pour terminer, puisqu'on vous avait effectivement promis en début de webinaire une incentive, donc on a le plaisir d'annoncer que c'est M. Benjamin Gillis qui a gagné l'incentive et le bon cadeau. C'est le service marketing de chez EDB qui va se charger de vous adresser cette carte. Toutes mes félicitations ou nos félicitations. Et puis aussi, merci pour votre, votre participation au travers de ce chat. Ce webinar arrive à sa fin. Comme le disait Sergio, bien entendu, n'hésitez pas au travers de, du web EDB euh, à revenir vers nous si vous aviez des questions quelconques, qu'elles soient d'ordre technique, d'ordre business, enfin quelles que soient les questions en règle générale. On se fera plaisir de vous y répondre de manière, on va dire, assez réactive. Et puis, euh, en dehors de comment dire, ce détail, nous vous remercions pour votre présence en espérant que le, le webinaire ait répondu à vos, à vos attentes et à vos questions. Voilà, merci beaucoup, bonne journée à tous, merci Sergio, et puis euh, bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.